Et salut. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter. D'habitude, je vous présente un petit peu des formations, dropshipping, business internet, etc. Mais là, j'avais envie de vous présenter la formation de Yann Darwin. Donc cette formation, c'est créer et développer une entreprise à prépondérance immobilière. Donc avant, ça s'appelait l'Académie des investisseurs rentables, hein, il me semble. Ça a été renommé. Avant, le site, c'était enfinrentable.fr et maintenant, c'est Greenbull Campus. Alors Greenbull, c'est une entreprise, hein, c'est une constellation d'entreprises, en fait, avec plusieurs associés, hein, dont Yann Darwin. Et ils réalisent, hein, plein de formations sur la bourse, sur l'entrepreneuriat et sur l'immobilier. Et sur l'immobilier, ils ont plusieurs programmes, hein, dont les deux que je trouve les plus intéressants, qui sont donc à créer une entreprise à prépondérance immobilière, qui est la plus poussée selon moi, hein, 60 heures de formation, on a vraiment tout pour réussir en immobilier et vraiment toutes les connaissances nécessaires pour avancer dans ce domaine-là. Moi personnellement, hein, j'ai fait l'acquisition de plusieurs appartements que je loue en location courte durée et bah, certains je vais les passer en location à l'année, en meublé, etc. Donc j'ai des structures juridiques pour tout ça, mais justement là où Greenbull Campus vous accompagne et Yann Darwin également, mais il y a aussi d'autres formateurs, hein, je vais vous le montrer, c'est que bah, on a plein de conseils, notamment au niveau juridique, au niveau des banques, au niveau des emprunts, etc. On a vraiment une communauté et des experts qui sont là pour nous conseiller dans le groupe Facebook. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, surtout dans le domaine de l'immobilier. Enfin, sur Internet, les business Internet, on peut toujours se débrouiller, même si bon, c'est quand même bien d'avoir du coaching, hein. Mais dans l'immobilier, faut vraiment pas se planter. C'est des montants qui sont considérables, hein, des montants investis considérables, donc faut vraiment pas se planter. Donc moi aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur la formation immobilier. Créer, développer une entreprise à prépondérance immobilière. Et je vous ferai sûrement une autre vidéo sur la partie marchand de biens. Marchand de biens, c'est le next level, quoi. C'est vraiment là où on va faire du gros cash rapidement en achat-revente de biens immobiliers. Donc bah, c'est parti, là je suis donc dans mon espace de formation, on peut voir que c'est quand même super bien fait, hein. Ils ont fait une refonte complète de l'espace de formation et c'est quand même très très bien fait. Donc là on a le tableau de bord, donc bienvenue dans votre tableau de bord et on a une petite visite guidée, donc allons-y. Donc là, les filières, ici, vous pouvez passer d'une filière à l'autre, donc en fonction des formations qu'on a achetées chez Greenbull, donc immobilier, entrepreneuriat, etc. Tac. Là, on a le niveau, hein, donc moi je suis au niveau 3, donc c'est plutôt avancé dans les formations, puisque je suis sur une formation où vraiment on a 60 heures de formation et toutes les compétences nécessaires pour vraiment envoyer en IMO. Faut savoir que cette formation, elle est finançable via le CPF. Donc ça peut être intéressant si vous êtes salarié et que vous avez des points ou de l'argent sur votre compte CPF, de la financer avec votre compte CPF. Donc là, progression 0%, je ne sais pas pourquoi il y a écrit ça, mais bon, j'ai fini la formation. Je pense que c'est parce qu'ils ont fait une refonte et que moi je l'avais fait avant. J'ai acheté cette formation il y a longtemps, mais je me décide qu'aujourd'hui de vous faire une petite presse sur cette formation. Voilà, moi j'ai pas de message, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Alors là, on a les événements, donc ça c'est super bien parce qu'il y a tout le temps des événements où on peut s'inscrire, poser des questions, etc. Donc combien de biens pour vivre de l'immobilier, les projets du moment, les conseils et solutions pour sécuriser les immeubles, il y a des conseils juridiques, etc. Donc voilà, là on peut accéder à tous les événements.
Bon, là, j'ai pas de notification. Le Circle, donc c'est un espace pour la communauté, hein, où on peut voir tous les événements, discuter avec des coachs, avec d'autres personnes qui font partie de la formation, s'associer avec des partenaires, etc. On n'a pas juste une formation en ligne et puis basta, là. On peut vraiment se construire un réseau, et c'est ça qui est super intéressant quand on achète une formation chez Greenbull, c'est que il y a d'autres mecs qui font la même chose que nous. On peut communiquer avec eux, s'associer, acheter avec eux éventuellement, hein, si on n'a pas les fonds, mais qu'on trouve un bien exceptionnel, on peut s'associer avec des gens pour faire l'acquisition, hein. Bien évidemment, il faudra mettre en place toutes les structures juridiques et tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème, hein, mais ça se fait très bien. Et voilà quoi. Bon, la classroom, le Media Center, hein, c'est là où il y a beaucoup beaucoup de ressources, hein, sur la formation, l'espace apprenant. Hop, mon compte, et voilà. Et là, donc, si on veut contacter l'équipe et les réseaux sociaux, voilà. Donc là, c'est bon, on a fait le tour, hein, vite fait, du dashboard de la formation. On va passer à la formation en elle-même. Donc là, on est dans le circle, hein, juste ici, où on voit tous les événements pédagogiques, hein. On a des cas pratiques, on a des conférences, et donc là, bah, on peut voir tous les événements pédagogiques. Donc Philippe, hein, qui fait, bah, le gars, il a 100 lots en 5 ans, et lui, il est très fort en financement, hein, il a une activité de courtier, hein, on peut même le consulter, hein, pour financer ses biens. Et donc voilà, donc on a pas mal de cas pratiques, découvrir comment rédiger, contrôler un bail, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Ici, on a la partie coach, hein, donc là, on peut contacter toutes ces personnes, hein, pour des aides spécifiques, hein, voilà. Chacun a ses compétences. Ce qu'il y a de bien chez Greenbull, c'est qu'ils choisissent vraiment des personnes qui ont des spécificités dans chaque domaine, et donc des compétences dans chaque domaine pour vous aider au mieux. Donc là, on a le réseau. Donc là, je masque, hein, les noms, parce que voilà, je ne vais pas vous donner les noms, mais on peut choisir les régions, et rencontrer des gens de la région, de votre région, pour faire du networking, hein, et puis bah, peut-être s'associer sur des projets immobiliers. Ensuite, on a une partie les partenaires, hein, et là, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des contacts directs des gens, hein, des conseils juridiques, des avocats, des gens qui des experts comptables, des gestionnaires de travaux, etc., enfin des maîtres d'œuvre, enfin voilà, on a directement des contacts de confiance, sur lesquels on peut s'appuyer. Donc désolé, hein, je masque, hein, parce que je masque les contacts, parce que voilà, je vais pas vous donner les noms, et j'ai pas le droit d'ailleurs, je pense, de vous montrer les noms et les contacts de ces personnes. Donc on va passer directement à la classroom. Créer et développer son entreprise à prépondérance immobilière. Donc ça, c'est la formation la plus high level, hein, j'ai envie de dire, de chez Greenbull en termes d'immobilier. Donc ici, on peut voir qu'on a 21 modules, hein, donc moi j'ai tout fait, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai suivi toutes les leçons, et donc c'est quand même assez dense, hein. Je pense que ça prend, voilà. C'est 60 heures de formation, mais vu que c'est du condensé, on y passe quand même beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à appréhender. Et là, je vous conseille franchement de prendre des notes, d'y aller doucement, et d'essayer de bien comprendre, de poser des questions dans le groupe Facebook, hein, privé, auquel vous aurez accès avec cette formation. Voilà. Donc le module 1, les bases de l'investissement. Le module 2, mettre en place son plan d'action opérationnel. Module 3, trouver les investissements profitables, hein. Donc là, on a tout un tas de techniques pour trouver des biens immobiliers qui sont rentables, hein, parce que trouver un bien immobilier, c'est facile, mais trouver un bien immobilier qui soit rentable, ça l'est moins. Bien se comporter pendant les visites. Donc là, il nous explique un petit peu comment un petit peu draguer l'agent immobilier, hein, bien présenté, etc. Les bases de la fiscalité et choix du montage juridique. Donc ça va dépendre de chacun et de sa situation, hein. Mener les négociations. Donc là, pareil, hein, tout un module sur la négociation. Module 7, gestion et pilotage de chantier. Donc ça, c'est vraiment très très important, parce que la plupart du temps, on va acquérir des biens à rénover.
Donc, c'est bien rénové, bah, il faut engager des personnes qui vont faire les travaux, etc. Donc, la gestion, le pilotage de chantier, c'est très très important, hein, croyez-en mon expérience. Moi, j'ai eu une expérience un petit peu compliquée sur la gestion des travaux. Si j'avais eu cette formation avant, peut-être que ça se serait passé autrement. Bon, après, on s'en sort toujours, hein, mais bon, ça a été compliqué, ça m'a bien stressé. Donc voilà, j'en ai tiré des leçons et maintenant je sais comment, comment gérer tout ça. Financer ses futures acquisitions. Donc là, il y a tout un module sur le financement, les banques, etc. L'étape administrative du notaire, bon bah ça c'est des formalités hein, chez le notaire, comment ça se passe, etc. Si vous l'avez jamais fait, bon ben bah, voilà, c'est des choses à savoir. Mais bon, il suffit de le faire une fois, c'est quand même assez. Assez simple. Exploitation et mise en location. Donc là, voilà, pareil, hein. Est-ce qu'on va faire de la location courte durée? Est-ce qu'on va faire de la location longue durée, en meublé, en location nue, etc. Ça va dépendre vraiment des caractéristiques du bien et de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez générer en cash flow et surtout du temps que vous voulez accorder à cette activité. Parce que la location courte durée, c'est bien, mais ça peut être chronophage. Donc voilà, il faut vraiment se projeter et voir là où vous voulez aller. Par exemple, un immeuble de rapport, on peut mettre une partie en location nue, une partie en location courte durée. Voilà, c'est vraiment, faut vraiment bien réfléchir à sa stratégie. Dans le module 11, on a donc tout un module sur la location meublée. Module 12, les montages en société. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme montage structure juridique hein, de montage, créer un groupe de sociétés, trouver des investissements profitables grâce aux ventes aux enchères. Hein, donc ça, je l'ai jamais fait personnellement, mais c'est clair que des ventes aux enchères, il y a moyen de faire des coups de fusil, comme on dit dans le milieu de l'immobilier. Et donc ça peut être très intéressant. Module 15, trouver et exploiter des locaux professionnels. Donc ça, c'est super intéressant. Parce que les locaux professionnels, faut savoir que potentiellement, on peut faire du Airbnb dedans. Eh oui, potentiellement on peut faire du Airbnb dans des locaux professionnels et donc les transformer en Airbnb. Et ça, c'est valable dans les villes qui, par exemple, les villes qui interdisent d'avoir plus d'un bien dans la ville. Donc ça, c'est quelque chose à creuser. Créer son activité de marchand de biens. Donc là, voilà. C'est assez explicite, je pense. On vous apprend carrément à devenir marchand de biens, donc achat-revente, vente de plateaux immobiliers, etc. Les investissements en viager, hein, voilà. Donc, franchement, cette formation, elle est ultra complète, quoi. On parle pas que de Airbnb, on parle de tout ce qu'il est possible de faire en immobilier. Donc, les investissements en viager, c'est quelque chose à envisager éventuellement si vous pouvez le faire et selon votre stratégie. Module 18, revendre ses investissements. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, hein, où j'ai dégagé des bonnes plus-values. Donc c'est super, super intéressant comme module. Je sais pas pourquoi il y a marqué 0% complété. Enfin bref. Stratégie avancée de diversification. Donc voilà, ça c'est aussi très important, hein. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, faut se diversifier et puis donc en se diversifiant, on dilue les risques. Hein. C'est pareil que lorsqu'on en investit en bourse ou dans des crypto-monnaies, il faut savoir diversifier ses investissements pour diluer le risque, tout simplement. Le module 20, c'est un bonus, donc c'est une étude de cas. Et le module 21, améliorer sa relation à l'argent. Donc là, c'est un petit peu du mindset et améliorer sa relation à l'argent, hein. C'est vrai que il faut avoir un mental, penser comme les riches en fait, et puis vous allez voir que lorsque l'on arrive à un certain capital, on n'a plus la même relation à l'argent qu'auparavant. Alors moi, je sais qu'il y a des années de ça, ma relation à l'argent était assez compliquée et voilà, maintenant je suis un petit peu plus détaché et j'utilise l'argent plutôt comme un outil. Et puis bah voilà, j'ai pas vraiment à compter l'argent comme ça, quoi. Voilà, bah j'espère que cette présentation de la formation de Yann Darwin et donc du groupe Green Bull qui est disponible sur Green Bull Campus vous aura plu.
Donc la formation, c'est créer et développer une entreprise à prépondérance immobilière. C'est 60 heures de formation. Comme vous pouvez le constater, c'est ultra complet et surtout, ce qui est très important, c'est que vous avez tout un écosystème autour de cette formation avec des gens, des vrais gens qui sont là pour répondre à vos questions, vous aider tout au long de votre projet. Et c'est ça la force de Green Bull, c'est qu'ils ont. Il n'y a pas que Yann Darwin, quoi. Hein, je veux dire, c'est lui qui présente beaucoup de ces modules, mais il n'est pas tout seul. Il y a, alors je crois qu'ils sont 80 personnes, hein, il y a 80 employés chez Green Bull en global, hein, mais il y a plusieurs autres formations que je vous présenterai sûrement dans d'autres vidéos. Mais voilà quoi. Donc, je vous laisse un lien dans la description. Donc, dans la description, vous trouverez un lien pour avoir 7 heures de formation gratuite sur l'immobilier, hein, où vous apprendrez un petit peu les bases, et puis un lien vers cette formation avec une réduction, je crois, mais je me souviens plus de combien. Donc je vous invite à cliquer dessus et n'oubliez pas que cette formation, vous pourrez la financer avec le CPF. Donc je vous invite à visiter ces liens en description et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette formation. Allez, je vous souhaite une bonne journée et bons investissements immobiliers. Ciao.